Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter un quotidien allemand, Die Welt. Die Welt, littéralement le monde, est avec le Süddeutsche Zeitung et le Frankfurt Allgemeine Zeitung un des trois plus grands quotidiens allemands. Son édition du dimanche est nommée Welt am Sonntag. Le journal est distribué dans plus de 130 pays. Porte-étendard de la maison de presse Alex Springer Verlag, Die Welt est un membre fondateur de The European Dailies Alliance, EDA, permettant la coopération de plusieurs rédactions de plusieurs pays, dont le Daily Telegraph au Royaume-Uni, Le Figaro en France et ABC en Espagne. Il possède également le quotidien Berliner Morgenpost. Le journal a été créé à Hambourg en 1946 par les forces d'occupation britanniques. En 1948, le journal crée son édition dominicale, Welt am Sonntag. Le journal quitte plus tard Hambourg pour Berlin. Le 24 mai 2004, le journal lance la version compacte, Welt Compact. Sa ligne éditoriale est libérale conservatrice. Die Welt est une sœur de Figaro à l'allemande. Dans sa rubrique d'analyse nommée Arrière-plan, ce journal s'affiche clairement conservateur. Il défend également un point de vue pro-israélien. En réaction à l'élection de Donald Trump, et plus précisément à un entretien que le président américain avait donné au journal Bild, Ulf Poschardt, le rédacteur en chef du quotidien appelle les Allemands à s'opposer à Trump en devenant plus courageux, travailleurs, innovants, libres, ouverts, gays, lesbiennes, multiculturels. Journal très épais, il propose aussi une version compacte de 48 pages. Je vous mets le lien du site de Die Welt et je vous souhaite une bonne lecture.